Et rebonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur Star Citizen. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas arrivé là où je voulais parce que il s'est passé un petit truc. Je me suis fait sortir du Quantum Drive parce que apparemment mes moteurs ont trop chauffé. Voilà, ils ont trop chauffé, donc je me suis fait sortir. Alors, je sais pas si c'est dramatique. En tous les cas, là j'ai plus du tout de... J'étais pas si loin en plus, regardez. Je suis plus très loin. C'est que je sais pas comment faire. Je suis à 670 000, merde. 6 708 199 km de mon lieu. Sauf que je n'ai plus. Bon, Quantum Drive, je crois. Donc, je vais essayer de le refaire. Je sais pas si je pourrais en fait. Parce que là, il a pas l'air bien quoi. Je comprends pas trop pourquoi je suis sorti en fait, hein, clairement. Mais bon. Fait chier, j'aurais voulu vous montrer ça. Contact available. God, mais non, j'ai pas. J'ai pas de minute, j'ai rien. Et j'ai rien du tout. Donc là, je suis perdu dans l'espace. Vous voyez, j'ai dépassé le soleil quand même. Pas de beaucoup. Oh là, ces petits effets là, comme ça, ça nous bouge vraiment la vue. Excellent. Excellent. Bon. Comment je vais régler ce problème, moi, du coup? Comment je vais régler? Maintenant, moi, je veux aller là quand même. Hein. Je veux aller là. Comment je fais? Comment je fais? Parce que je le vois plus. Je vois plus du tout en fait là. Donc je crois que je vais être un peu emmerdé. Oh là là, la galère. La grosse galère. J'ai coupé les moteurs, pas grave du tout, on va les remettre. Voilà. Il parle à moi, lui là? Qui me parle à moi, le gars? Ouh, qu'est-ce que c'était ça? Je sais pas, je. Voilà. Bon, on va recommencer. Hein. Et si par exemple je décide d'aller là, est-ce que là ça marchera mieux ou comment ça se passe? Est-ce que ça marchera mieux? Comment je fais pour faire en sorte que ce soit le premier? Voilà. On va recommencer. On va recommencer parce que là je piche pas. Je la vois plus. Je la vois plus en fait. Putain, sérieux, c'est le bordel quand même, c'est vraiment. Non. Pourquoi il me met ça? Ah, ça je le vois. Ah, on va aller là-bas.
Ça va, j'ai retrouvé. Qui raconte en ce moment? Bon, j'ai retrouvé. Désolé, c'est un peu. Ouais, c'est un peu ouf là. Je couperai pas mal de moments, hein, je pense. Allez, plus que 5 millions de kilomètres. Ça va. Bon, j'ai réussi à reprendre le Canton Drive sur un Ur L1. Là, c'est pas du tout là où je voulais aller, mais au moins ça va s'en rapprocher. Vous voyez, on sera plus très loin après de Hurston. Donc ce sera très bien. Et merde, j'ai encore perdu le truc. Je suis là. Vous voyez là, on avance tranquillement. On avance tranquillement. C'est plus très loin. En espérant que je me fasse pas encore éjecter du Quantum Drive. Ce serait vraiment ballot. Ça me casserait vite les couilles aussi. Je pense, mais bon, ça fait partie du jeu, de toute façon, tout fait partie du jeu, ce genre de. Enfin, là, c'est plutôt. Si, si, ça fait partie du jeu, c'est pas des bugs. Regardez-moi ça, ces trucs. Là, on voit pas trop la carcasse là qui bouge. Hein. Et je crois que dans le futur, on verra vraiment tout qui bouge. Hein. Il y a plus de 2 millions de kilomètres. Oh, si on pouvait aller aussi vite que ça, vous imaginez les transports? Ce sera génial. Hein. Enfin un jeu où on voit vraiment tout. On n'a pas juste des bras et des jambes, on a tout le corps. Comme quand on se regarde en vrai, en fait. Ça, c'est génial. Lui, il est content, lui. Ah, ah, il y a le petit bug là, on voit vite fait avec la tête. On voit sans le casque. On va pas tarder à arriver. J'adore. Vraiment, ça va être passionnant pour le roleplay, ce jeu. Passionnant. Ah, 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 on va bientôt s'arrêter. Attention. Et voilà. Tellement stylé. Tellement stylé, les enfants. Mais moi j'en veux un autre. Maintenant, est-ce que tu veux bien me le faire jusqu'à là? Est-ce que tu veux bien? Là je peux plus pour l'instant le Compton Travel, là je peux plus. Parce que forcément il y a un petit temps de recharge. Hein. C'est que c'est une petite base en fait ce machin. Vous savez quoi? On va aller l'explorer. On va aller se mettre là-bas et on va aller explorer la base. Si c'en est une. Ouais, j'ai de la lasing de ouf là. Oh, en train de bugger. Non, c'est bon. Ah oui, j'espère que j'aurai pas de crash hein, par contre. Alors, on va se poser doucement, doucement, doucement. On arrive doucement. Aller se poser. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh, faut peut-être que je demande l'autorisation là. Je vais demander. Quoi? Pourquoi ça me l'a enlevé le truc? M'a dit. Je comprends pas ce qu'il demande, j'arrive pas à entendre. Ah, je l'ai déjà fait, donc j'ai le droit. Oula, 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 doucement, doucement, Jean-Paul. Alors là, là, ce qu'il faut faire. Il faut faire, c'est très très précis. On va se remettre droit. On va se remettre droit comme ça. Tac 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 tac. On va sortir notre petit train. Voilà. On va avancer un petit peu. Hop. Et on va se poser lentement. Lentement.
Voilà. Warning, you are blocking an active flight bay. Please vacate the facility. Quoi, il veut que je me casse? Mais j'ai demandé à ce que je pouvais. Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Écoute, je pense pas qu'ils vont me tirer dessus. Hein. Là, j'obstrue vraiment l'arrière. Bah, écoute, qu'est-ce que je te dis, moi? J'ai envie de visiter, j'ai envie de visiter. Hein. T'as pas m'emmerder. Allez, on va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est que cette petite base. Permettre à mon vaisseau de se reposer un petit peu. Tellement génial. On va le fermer. Hop. Allez, on est parti. Rien du coup de tout, ils peuvent se poser quand même. Ça va. Je serai au landing pad 04. Alors. Il y a moyen d'ouvrir la porte là ou. Allez, la porte. Oui, c'est ça. C'est un élévateur, exactement. Allons-y. Comme je vous dis, c'est un peu compliqué pour moi encore. Je descends pas. Si, j'ai descendu. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, on pourra changer de. On pourra changer de vêtements ici. Salut, vous êtes un PNJ. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à faire ici? Ça m'étonnerait quand même. Stylé. Ouh, il y a le PNJ qui a disparu là complètement. Alors ça rame, hein. Je pense que je vais me remettre en médium. Hein. Je vais me remettre en médium. Ça passerait si j'enregistrais pas, je pense. Mais là, c'est pas possible. Voilà, tout de suite, je sens que ça va quand même un peu mieux. On va visiter. Je vais vous laisser profiter un petit peu de tout ça. Ah, on va pouvoir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? Dégagez vous. Sélection, sélection item, ok. Regardez derrière le personnage. Il est comme s'il était dans un rendu 3D. Et le mien n'apparaît pas. Ah, si, il y a ça. C'est dans ma mallette que j'ai ça. On pourra. Donc, c'est un magasin. Non, c'est plutôt cool, hein. Mais ça manque peut-être un peu de musique un peu plus forte. Putain, au début j'ai cru que c'était un gars et j'ai cru que c'était Kojima quoi. Ah, le truc un peu sale et tout. Un peu punk même. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Oh, mon vaisseau est là-bas, apparemment. D'accord. When duty calls, will you answer? Bah oui. Donc oui, le but de Star Citizen c'est de faire votre vie. Hein. Vous pouvez devenir un minier, un voleur, un pirate, un garde, un citoyen juste normal qui va à son taf tous les jours. Vraiment, ça va être le roleplay qui va déterminer votre façon d'apprécier le jeu, mine de rien. Mine de rien, ça va être ça. Chypre. Ah, d'accord, là c'est pour juste pour pouvoir revoir mon truc. Bon, si vous le voulez, on va repartir dans notre mission principale. Mais vous voyez, c'est ça que je kiffe déjà. C'est que on peut se perdre dans ce jeu et arriver à voilà à trouver des petits endroits sympatoches. Voilà, j'ai mon petit titan ici.
Je m'en vais, les amis. N'appelez pas la police là. Je me barre. À mon avis, si je fais ça dans le vrai truc, je risque de m'en prendre une. Quand ce sera vraiment complet. Allez, on est reparti. On est reparti. Alors, on rallume tout ça. On se barre. On retire le pied. Voilà. Et on s'en va. On s'en va, on s'en va. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est mon viseur. Alors là, il y a les planètes, on les voit, les planètes, hein, vous voyez? Il y en a une là. Il y en a une là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une planète? Non, c'est un astéroïde. En revanche, ça. Oh, bah, en fait, non, c'est même pas des planètes, je crois pas. Non, c'est aussi des astéroïdes. Les planètes doivent être beaucoup plus loin en fait. Allez, on va y aller vraiment cette fois. Pourquoi je peux pas? J'ai plus que 284 en fuel. Il m'en faut 12. Wow. Alors, est-ce qu'il me l'a mis là-bas? Ça y est, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo parce que c'est l'heure de se quitter. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Je sais pas si je les mettrai en même temps, mais bref, vous verrez bien, on va pas se perdre. À la prochaine pour une autre vidéo sur Star Citizen. La suite, va-t-on arriver à Lorville? Vous le saurez dans un prochain épisode. Gros teasing. Salut tout le monde.